Ravi de vous retrouver ce matin, nouvel épisode sur ce Let's Play Europa Universalis 4 avec les Quillois bien sûr, et on va pour l'instant s'intéresser à l'Asie avant peut-être d'aller chercher une revanche sur les Espagnols, mais bon, ça c'est pas encore fait, hein. Pour ça, il faudrait déjà que mes effectifs remontent un petit peu plus. C'est en cours, mais ça prend du temps. Je voulais voir un petit truc là. Qu'est-ce qu'il faut déjà? Ah, il faut accepter la culture. Non, c'est celui-là que je voulais vérifier. Celui-là, pardon. Celui-là fonctionne déjà. Hein, ouais. Donc, à la rigueur, on pourrait investir 2005. 2005, c'est pas grand-chose pour moi, honnêtement. On va investir 2005. On en a déjà. Alors, je crois que celui-là est fini, ou alors quasiment fini. Ouais, il est bien avancé. Ça, c'est cool. Celui-là, pareil, il vient de commencer. Hein, donc, bon, ça va prendre du temps, mais c'est en route. Bon, ça marche pas mal, ces grands projets, je trouve. On devrait arriver à faire quelque chose de sympa. Bon, ici, allons-y gaiement, sans plus tarder. On va juste attendre un peu, parce que parfois, il peut se passer des choses quand on lance le temps. Mais là, ça a l'air de. Ça a l'air de l'aller. Là, il faut 21. Là, il faut 21. Ok. Donc, c'est parti. On va pas faire dans le détail. Hop. 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 Il n'y aura pas grand monde. Ah, il y a encore eux là. Ils me saoulent. À chaque fois, ils viennent. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Allons-y gaiement. On va prendre la capitale. Et du coup, là, on va se diviser. La capitale maintenant a basculé. Ailleurs, hein, ils ont quitté leur île d'origine. Et on va aller vite fait sur leur capitale régler ce petit problème. Ça, c'est cool. Hop. On devrait. Le but, c'est de revenir assez rapidement. C'est sous ça, ouais. Le but, ce serait de revenir assez rapidement quand même ici pour se défendre au cas où, parce que bon, ils pourraient être amenés à venir quand même. Donc méfiance. Ceci dit, là, j'étais pas vraiment obligé de faire ça. Je pouvais passer par là. Je considérais que c'est plus rapide. C'est pas dit que ce soit plus rapide, mais bon. La différence va pas être énorme à mon avis. Mais bon. Ouais, si quand même. Si, si, c'est plus rapide. Ça, pourquoi pas, si ça leur. Si ça peut leur faire plaisir, je m'en fiche. Ok, donc ça, on va revenir un peu au centre là. Tout ça, c'est fait pour aller au centre. Guerre, dans une guerre potentielle aux Ottomans. Ça, on s'en fout. Je sais pas si les Espagnols vont m'attaquer. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ça, c'est fait, d'accord. Je vais partir avec 2000 hommes ici. 6000, pourquoi pas, on s'en fout, c'est bon. Ok, là il y a quand même quelques troupes, j'irais bien les chercher dès le début. Ça c'était où ça? Ça c'était là, d'accord. Ok, donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper d'eux tout de suite. J'ai pas envie de laisser ça comme ça, juste à côté de moi. Ok, alors ça c'est très cool parce qu'on va continuer à leur couper la route. Du coup, ceux-là, faut que je les rappelle. Mais alors, avant de les rappeler, ils sont que 1000, donc je peux les rappeler tout de suite. Eux arrivent de toute façon, doucement mais sûrement. Rappeler. Et là, eux peuvent aller là. Là, ils sont que 400, c'est encore mieux. Ok, et après, on va continuer hein, le long de la frontière. Le but, c'est vraiment. On va vite tomber sur les Russes, évidemment. Mais bon. On aura quand même pris quelques territoires en plus. Pourquoi pas? C'est toujours sympathique. Ok, on va essayer de perdre le moins de troupes possible dans cette guerre. Le but, c'est quand même de récupérer nos effectifs là. On a été salement saigné par les Ottomans quand même. On va. Là où c'est possible, on va passer en mode entraînement. Genre, par exemple, eux, il faudrait juste qu'ils trouvent une province où ils peuvent s'arrêter sans. 43, c'est pas top, mais on va se contenter de ça. Ah bah voilà, à chaque fois que. Alors, vite fait, 43, ça veut dire qu'il faut que j'en enlève peut-être 24, 43. Ok, ça c'est bon.
Eux peuvent aller là. Là, on va bien avoir quelqu'un qui fait rien. Ok, donc tout ça, ça peut aller là pour l'instant. Ici, ça tombe bien. Voilà, eux, je préférerais les mettre à l'entraînement. Honnêtement, ils sont nombreux. On va les mettre là. Et du coup, ceux-là peuvent rester pour l'occasion. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ok, donc là, on a fait... on a tout fait, d'ailleurs, donc c'est bon. On va repartir. Ah, un général de moins. Il n'y a pas... Il n'a pas supporté l'entraînement, a priori. Je crois que c'est celui qui était en train de s'entraîner qui vient de nous claquer entre les doigts. Oui, tout à fait. Donc, il n'a pas supporté. C'est pas grave. On va en trouver un autre. Ça va très très vite, tout ça. C'est bien. Alors, oui, là, on est toujours coincé par ces Anglais. Faudra que ça, on leur prenne aussi, sérieux. Ouais, pour l'instant, on peut pas trop... Alors la flotte arrive, on est déjà à 20%, c'est cool. Là j'étais obligé de traverser du coup, c'est pénible le fait qu'ils soient toujours alliés avec eux. Ils vont m'obliger à traverser. Alors là il y en a partout. Je peux pas diviser l'armée en mer. C'est un peu ballot là ce que j'ai fait, mais c'est pas très grave non plus. Bon, c'est pas grave. Ah, ceci dit, là, pareil, même chose, hein, même punition en fait. Je peux y aller par la terre. Ça me fera des vacances. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un général là où on a dit qu'on voulait s'entraîner, c'est-à-dire ici. Oh, 3 en siège en plus. Ça, c'est bien. C'est même très très bien pour le coup. Je pense que Béraud, on va mettre fin à leur triste existence, hein, j'en ai marre. Je leur ai fait la guerre je ne sais combien de fois, donc à un moment, il faut que ça cesse. Là, on va aller chercher ceux-là. Seulement avant de leur faire... ouais, non, on ne pourra pas, je pense. On ne pourra pas parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je mette tout le monde à 100% avant... Ça va être compliqué encore. Ça va être compliqué, on verra. Mais ça c'est compromis quand même. Maja Pit, il y en a encore un ici. Est-ce qu'on traverse là? On pourrait traverser, honnêtement, ça nous a pas très toujours très bien réussi, c'est vrai. Mais on pourrait traverser. Mon autre flotte, elle est où là pour l'instant? Ouais, elle est là. Je serais tenté de faire une guerre ici contre les Asma. Vassaux des Lipans, alliés, putain ils ont plein d'alliés. Alors je fais une guerre contre la Louisiane. Il n'y a pas tant d'adversaires que ça. Les Français sont pas terribles dans ce let's play. Ils ont encore la République des Deux Nations ceci dit. Ouais, c'est un peu chaud. C'est bien, c'est qu'ils font des guerres sans m'appeler, donc ça me plaît. Allez, chacun fait ses petites guerres, ça m'énerve, c'est que moi j'en fais pas. Je pense que du coup, je vais m'intéresser. Ah, ça m'énerve ça. Ça, rien que de voir ça, ça me. Ceci dit, j'ai l'impression qu'ils vont avoir des problèmes. On va voir s'ils vont réussir à gérer leurs rebelles, quoi, mais. Ils vont peut-être avoir quelques soucis à se faire. Est-ce que je peux faire la guerre à Tidore là? Non, on est en trêve encore un peu trop longtemps là. Ça va pas le faire. Ouais, on y est presque. Ouais, là j'ai des points à dépenser. Je les dépenserai bien dans cette région. Le but ce serait d'améliorer la puissance commerciale. Ou la valeur commerciale, la valeur, pardon, peut-être, non, la puissance, je sais pas en fait, c'est tellement compliqué. Là, normalement, on devrait pouvoir prendre ça. Ah, bah oui, allons-y gaiement.
On est défenseur de la foi. Ah ouais, c'est parfait, c'est parti. On va pouvoir se convertir tout ça. Donc en fait, j'ai même plus besoin de faire de guerre ici. Honnêtement, je serais tenté de passer aux choses sérieuses direct sur l'Angleterre, qui en plus est en guerre. Alors, pour faire quelque chose d'un peu plus expéditif, je vais quand même ramener un peu plus de troupes. Alors après, j'ai aussi le Danemark, mais je crois que le Danemark a un allié gênant, c'est l'Autriche, ouais. Ouais, pour l'instant, c'est gênant. Alors l'Angleterre, vraiment, il faudrait que je leur prenne cette fois leurs petites îles, donc ça veut dire qu'il faut quand même que je vienne. Ah bah là, j'ai exactement ce qui assez de transporteurs pour faire le taf. Et on utilisera aussi ceux-là. Alors là, on va falloir qu'on frappe fort sur l'Australie aussi. Ouh, ils ont débarqué là, eux. Alors ça, ils vont le regretter. Ceci dit, ils sont déjà dans le rouge. Comme j'ai plus trop besoin, en fait, de ce que je pensais, là, j'ai envie de dire que ça nous suffirait peut-être, ça. On va... le but, c'est quand même d'économiser des... Mais j'ai peur qu'en fait, j'ai très très peur qu'on soit monté aussi haut parce qu'il a enlevé ses navires. C'est souvent comme ça, quand il y a une guerre, ils enlèvent leurs navires de commerce. Et dès qu'ils les remettent, après, ça repart... Ça repart en sucette. On va quand même essayer d'aller un chouïa plus loin. Je pense que ça devrait pas poser trop de problèmes. Peut-être leur infliger. Ouais, déjà, oui, on pourrait se débarrasser d'eux, peu importe. On pourra pas les forcer à. Ah si, ils cèdent. Alors ça, je pensais pas. On prend. On va pas s'emmerder. Pardon, mais. On va pas s'embêter. Ok, on est à 37%, donc ça va. C'est pas très élevé. Ça, on s'en fiche. Ah, ça, on s'en fiche aussi. On est juste à côté. C'est pas de bol pour eux, j'avoue. Ils ont mal choisi leur jour. Ok, donc là, on va juste essayer de faire le ménage. On est à 22 de score de guerre. Je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin rapidement. J'espère qu'on arrivera à temps là. A priori, oui. Oh, puis en plus, si on pouvait se faire quelques batailles navales, mais j'y crois pas trop. Non. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Je vérifie si je suis à l'entraînement. Ok, alors ils se sont regroupés malheureusement, mais. Heureusement qu'on les a pas eu comme ça d'ailleurs, parce que j'étais pas forcément gagnant là. On va pas les poursuivre comme ça. On va les laisser se battre contre eux d'abord. Merde. Donc là, le 21, le 18, c'est parfait. Ah, ils se sont arrêtés. Oh, c'est pas grave. J'aurais préféré qu'ils se battent. Faut que je dépense des points, ça, à chaque fois, j'oublie. Ces points-là, on va les dépenser. Réfléchissons, réfléchissons. Alors déjà, c'est l'heure de la science, là. Bah d'abord, oui, on va dépenser ça. Alors, une petite unité d'infanterie et du moral, honnêtement, ça, c'est tip-top. Du coup, c'est une très bonne science. Une culture en plus. Alors ça, évidemment, ça va être extraordinaire. Des nouveaux navires, colonisation c'est très très bon aussi, et puis une nouvelle doctrine c'est super bon aussi. Ok, et bah en fait cette série là, c'était la 26e je crois, elle est assez phénoménale, j'avoue. J'achète. Le problème, on va pas avoir beaucoup de morale, mais c'est pas grave. Alors pour ce qui est de la doctrine, d'abord on va attendre un peu, on va juste s'assurer que ça fonctionne. J'espère que ça va fonctionner. Hein. Normalement, oui, sinon je m'arrache les cheveux là. De toute façon, c'est quoi qu'il arrive, c'est la culture la plus grosse après qui nous reste à accepter. Donc même sans le monument, c'est ce que j'aurais pris. Et par contre, ça revient au niveau 1. Je suis sûr que les Ottomans l'avaient amélioré. Du coup, là, je suis un peu déçu, j'avoue. En fait, ouais. Ah, d'accord. Eh bien, c'est étonnant parce que j'étais persuadé qu'il l'avait amélioré. Bon, en soi, c'est pas grave, hein, on va le faire. Ouais.
ouais, bon, c'est pas cool. J'ai comme un doute. J'ai peut-être rêvé. Malheureusement, je peux pas revoir. Ou difficilement, en tout cas, je peux pas revoir ça. Parce que. Oh, là, ça va être un carnage. Ouais. Ouais, 5 points d'un coup. C'est pour ça que je voulais le faire. C'est parce que, honnêtement, ils sont dans le rouge. Mais en plus, on gagne 5 points. Donc, franchement, ça aurait été bête de s'en priver. Du coup. J'espère qu'on va pouvoir prendre un petit territoire en plus, quoi. Ce serait bien. On n'a pas d'autres revendications. Donc, à la rigueur, ce que je pourrais prendre, c'est de l'argent. Et puis, j'espère. Ah, on est à zéro. Bon, je pense que c'est comme si c'était fait. Par contre, ils vont le reprendre. Ça, c'est ballot. Bon, nous, on va reprendre tout ça. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir. Ça, on s'en fiche. Ok, c'est bon, c'est bon. Ah! J'ai perdu un truc que j'aurais pas dû perdre, là. Ah merde, ils ont aussi repris celui-là. Ouh, ils m'ont vexé, là. Ça va me prendre du temps, en plus. Ils me font perdre mon temps, là. J'aime pas trop ça, quand on me fait perdre mon temps. Du coup, ils me donnent envie d'aller plus loin, quoi. C'est con pour eux. Ils sont repassés dans le vert. Ils sont courageux, hein, c'est vrai, mais... Là, c'était un peu stupide, pour le coup. C'est bête que je puisse pas aller chercher toutes mes troupes qui sont dispersées, là. J'avoue que... Ah, qu'est-ce que ça donne, là? Est-ce qu'on est toujours... Ouais, on est toujours bien. Peut-être un petit peu moins bien, d'ailleurs. Bon, là, je pense qu'on va prendre une doctrine militaire, parce que, vraiment, je suis pas à la hauteur. Hein. J'en ai déjà pris deux, mais... On va se prendre la qualité, plutôt. Honnêtement, la qualité, l'avantage, c'est que là, le bonus, j'aime pas vraiment. Là, le souci, c'est que c'est beaucoup de marine, alors que là, tout est pour l'armée. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Ça améliore largement les généraux. Et en termes de bonus, on peut avoir quoi, par exemple? On peut avoir la combativité de l'artillerie. On peut avoir. On peut pas avoir grand chose d'autre d'intéressant à ce que je vois. Réputation, réserve des mercenaires. On peut avoir l'artillerie en militaire. Et si je prends ça. On peut avoir vitesse de renforcement, vitesse de recouvrement moral. Attrition, c'est pas mal. Discipline, c'est pas mal aussi. L'attrition, c'est toujours appréciable, j'avoue. Ah, ceci dit, pourquoi ne pas améliorer aussi ces navires, hein? J'avoue que... J'avoue que ça se défend. Je ne sais pas. Honnêtement, peut-être qu'on sera même amené à prendre les deux. Ça dépend quelle est ma situation dans les prochains combats. Si vraiment je suis à la ramasse, je prendrai les deux. Il faut qu'on soit efficace, de toute façon. Ça, c'est pas mal, quand même, la modif de limite terrestre. Ah non... Non, pardon. Non, ça, c'est nul, ça. On va prendre la qualité. Je la prends pas si souvent que ça. Je la prenais beaucoup au début, mais je pense qu'à un moment, ça... Ça ne fonctionnait pas bien. J'avais cru comprendre que c'était un peu buggé. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, je l'ai pas mal abandonné. Du coup, je ne sais pas maintenant ce que ça vaut. Mais en tout cas, sur le papier, c'est pas non plus... c'est pas mal, hein. Donc on va prendre ça. Ah, il faut absolument que je développe des provinces. On va développer, on va voir ce qu'on a d'intéressant. Et puis je pense qu'on va vite signer la paix de toute façon. Les Syriens ou les Bédouins, ils en sont où d'ailleurs? Ni l'un ni l'autre. Hein. C'est compliqué là, pour la merveille suivante. C'est Syriens ou Bédouins, hein. On a le choix. Mais aucun des deux pour l'instant. Faudrait vraiment faire des conquêtes dans les parages là. Parce que pour l'instant, je les vois même pas dans la liste. Donc les Syriens, c'est même pas la peine. Les Bédouins, c'est pas plus la peine. Donc c'est un peu compliqué, j'avoue là. En plus, c'est pas des territoires super sexy, il faut bien le dire.
Ouais, ça va être compliqué. Ça s'arrête là, ça s'arrête très très vite en fait. Bon, on va pas trop chercher. Alors sinon après j'avais aussi les... ils sont où? Non. Ils sont plutôt par là, je me suis fait avoir souvent. Les Rwandais qu'il fallait que j'améliore un peu parce que... On les a acceptés mais ils sont quand même assez mineurs. Donc on peut dépenser des points sur les Rwandais. Ouais, c'est pareil, hein, c'est pas des territoires qui m'enchantent vraiment. Beaucoup de montagnes et de collines là. Et puis surtout, ils sont très petits en fait, mine de rien. Bon, on va garder quelques points. Là, avant de faire des revendications, on va attendre. Là, on a dit qu'on allait faire plutôt des revendications dans cette région-là parce que honnêtement, il faut être raisonnable. J'aurais du mal dorénavant à monter plus haut. J'ai dit aussi qu'il fallait que j'améliore mes relations avec eux. Je pense que je vais finir par les intégrer. Ça, c'est sûr. Et donc là, on en est où? Notre flotte, elle arrive. Non, je sais pas où elle est. Elle arrive, elle arrive. Ah, finalement, on rallonge le temps de la guerre, mais bon, c'est pas grave, je gagne des effectifs. Ça, on s'en fout. C'est vrai que on a pas mal rallongé le temps de la guerre pour le coup. Oh, ça j'aime pas trop, mais putain, je vais pas y arriver là. Ok, donc là en plus on peut plus débarquer, il faut qu'on aille comme ça. Décidément, ils auront décidé de nous pourrir jusqu'au bout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher toutes nos troupes, on va ramasser tout ce qu'on a déposé un peu partout. Ouais, ça c'est pas grave, je vais prendre. Je peux prendre l'inflation parce que bon, je suis un petit peu remonté quand même, ça me va. Par contre, je peux déjà prendre ça. Allons-y. Ok, donc là, j'embarque. On va faire le tour là. Là, je vais aller là-bas direct. J'espère qu'il n'y aura pas de navires qui vont se pointer. Non, c'est bon. C'était un peu le risque là de s'en aller un peu prématurément. Là c'est bon, plutôt que d'aller prendre. Si, on va prendre le tour. Alors ça m'intéresse. On va ramasser ça quand même. Ah merde, trop tard. 46 000 hommes, c'est assez intéressant. On va y aller par derrière, entre guillemets, par là. Ouais, on va éviter de les. Ouais, heureusement que j'étais pas là avec mes 1000 hommes, quoi. Hein, parce que sinon. Bon, j'aurais pas perdu grand chose non plus, mais par contre là, on va pas les louper ceux-là. Ils ont pas de leader en plus, c'est ballot. Alors du coup, les autres ont annulé cash leur débarquement, hein. C'est pas le courage qui les étouffe pour le coup. Alors, je pense qu'on va relativement vite leur mettre dans le rouge. Et alors ça va être bon. C'est quand même pénible qu'il soit repassé. Je pense qu'en perdant sa capitale, il va aussi sans doute. Ça, j'apprécie. Ça, j'apprécie moins déjà. Il s'en va, il s'en va, mais. Oh, ça, par contre, j'apprécie vraiment les deux à suivre là. Ok, donc ça c'est cool, on va aller les rechercher. Alors il est repassé dans le rouge, mais le score de guerre est pas revenu à ce que j'espérais, donc c'est étonnant. Ouais, j'ai pas souvenir d'avoir perdu ça. Alors, on va continuer. Ça c'est quoi? Beaucoup de transporteurs. On pourrait peut-être aller se les faire, honnêtement, ça me paraît pas trop compliqué pour le coup. Eux, en tout cas, on va se faire cela. L'occasion est trop belle. Ah, ils s'en vont, j'ai l'impression. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se faire les navires quand même. On va prendre la province et essayer d'avoir une petite bataille navale. Le score de guerre a diminué. Alors, il a diminué, mais il faut voir qu'on a pris une province là. Donc c'est pour ça aussi qu'on a perdu un peu de score de guerre, parce qu'on a fait une paix séparée. Donc en fait, le score de guerre, c'est pour ça qu'il a sans doute diminué un peu entre-temps. Ok, donc là par contre, on va essayer de gagner ça. Il
Accessoirement, j'ai pris 3 navires, je suis pas contre. Ok. Donc on en est exactement comme tout à l'heure, sauf que cette fois, on a en plus 22 points de marge. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, mais pas. On prend un territoire de plus, c'est ça? Pourquoi pas? J'aurais du mal à en avoir deux, je pense. On va s'arrêter là, c'est déjà bien. De toute façon, si je suis déjà majoritaire dans la zone, j'ai pas besoin de faire plus. Ok, mais comme je l'ai dit, hein, je vais peut-être pas rester majoritaire. Faut bien voir que quand il y a une guerre, il y a des navires en moins. Donc c'est pas encore gagné. Voilà exactement ce qui devait se passer. Par contre, bizarrement, j'ai gardé ça. Est-ce que ça fonctionne toujours? J'en suis pas persuadé, mais bon. Ok, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais viser une province anglaise en plus. À la fin, il va rien leur rester. Peut-être. Alors ça, non, vraiment, c'est trop long. Voilà, j'ai beaucoup d'argent. On va essayer de vendre de construire quelques bâtiments. Il y a encore des choses à faire là. Il y a encore de l'argent. Ouais, il y a des choses intéressantes. Alors là, par contre, sur les manufactures, on arrive au bout là. Mais on n'arrive pas forcément au bout, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer des nouvelles places en faisant des universités et ça va nous donner sans doute des possibilités. Ok, donc je pense qu'au prochain épisode, si tout va bien, on aura cette guerre contre l'Angleterre. Je sais pas où elle en est. Bon, elle est toujours en guerre. Faudrait pas que. Non, c'est bon, il n'y a pas de territoire occupé ici. Alors malheureusement, ils se sont fait couper en deux par les Français, mais ça, c'est pas trop grave. On va pouvoir prendre notre navire. Et puis après. Ça, c'est quoi ça? Je me méfie, hein, parce que. Après, il faudrait qu'on trouve un allié. Des Espagnols. Grande-Bretagne. Ils ont aucun allié. Les Terronas, je sais pas où ils sont. Par contre, eux m'intéressent, mais ils sont en train de se faire massacrer. Mais là, j'ai quand même une possibilité, peut-être. Est-ce que j'ai de quoi faire un état là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il n'y en a que 6. C'est quand même pas si mal que ça en fait, si je regarde. J'ai de quoi avoir un nouveau marchand là. Bon, bon pour l'instant, objectif les Anglais, j'ai quelques petites choses à prendre. On va vite fait débarquer sur cette île, on ira débarquer sur celle-là. Je pense qu'aux Anglais, on lui prendra cette île-là, et cette île-là. Ah, mais j'ai aussi ça à prendre. Putain, j'ai trop de trucs à prendre aux Anglais. Du coup, on pourra quasiment rien prendre aux Iroquois, c'est clair. À chaque fois, c'est le même problème. Bon, c'est pas très grave, hein. Je préfère me servir sur les Anglais, honnêtement. C'est un peu plus l'objectif, mais. Octobre 36, ok. D'accord, bon, je vous laisse là pour aujourd'hui. Demain, une nouvelle guerre, évidemment, comme d'habitude. Rendez-vous à 8h30 pour la suite de ce Let's Play.